Boum. Donc je récupère ici et là ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'être traité d'imbécile. Je prends pas pour argent comptant tout ce qu'il y a dans un documentaire. Je prends ce qui m'intéresse et je suis pas parti sur la Lune ou ailleurs pour penser qu'on va se faire intégrer dans un camp ou quoi que ce soit et piquer comme des moutons. Parce que je le pense pas. Parce que le monde n'est pas aussi... il est brutal, mais il n'est pas aussi... il n'est pas comme ça, forcément. Donc c'est sûr que le président l'a dit hier. Les vaccins ne seront pas obligatoires. Sauf qu'on va vous inciter fortement et que vous ne pourrez plus vivre comme avant si vous n'êtes pas vacciné. Mais, évidemment, le vaccin ne sera pas obligatoire. Je vous le disais. Salut Dany, ça va ? Merci de prendre l'accès vidéo. Tu as aussi l'accès badge, mais tu peux aussi écrire tes commentaires ce soir. Et ça peut rassurer certains, mais ça ne peut pas forcément rassurer tout le monde. Vous allez fortement être incité à prendre le vaccin. Vous ne pourrez plus sortir comme avant. Vous ne pourrez plus aller au restaurant, oui. Vous ne pourrez plus aller prendre les transports, peut-être. Vous ne pourrez plus voyager aussi, peut-être. Mais à part si vous prenez le vaccin. Sauf que le vaccin n'est pas obligatoire. Sauf que si vous ne le prenez pas, votre vie ne sera plus la même. C'est tout. C'est comme ça. Mais faut lire entre les lignes. Le live, ce soir, comme tous les jours, il dure une heure parce qu'on va passer sur des lives. Et je tiens à vous le dire, deslive.tv/réservoir live, on est en moyenne 300 simultanés sur des lives. Il y a du monde, il y a du lourd, il y a la décentralisation, il y a la blockchain, il y a la crypto-monnaie. Vous pouvez gagner des pépettes parce que maintenant, vous en avez marre d'être attiboisé, vous en avez marre que les GAFAM vous prennent de l'argent sur votre dos. Vous pouvez passer dans un monde décentralisé. Si ça fait mal sur YouTube parce que ça sombre, parce qu'il y en a qui tombent, vous pouvez passer sur des lives. Vous venez nous retrouver. Il y a un coffre qui se remplit à vue d'œil. Il y a des jetons qui sont redistribués. Il y a beaucoup mieux de considération. Et vous êtes assez nombreux. Ceux qui n'auront pas fait ne sauront rien. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire. Donc, je pense pas que ceux qui ne vont pas le faire ne sauront rien. Ne sauront rien pour les bisounours. Pour la famille des bisounours, de tous ceux qui se manquent de respect, de tout ce monde hypocrite, où tout le monde entube, tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'avoir des copains qui m'entubent, hein, ou des copines ou des copains. C'est le monde des copains. C'est le monde des passe-droits, des coupe-fil. Une ordonnance contre le port du masque. Ma femme a raison, le doute va planer jusqu'au bout côté obligation vaccin. Je vous le reprécise, j'en suis certain, le président l'a précisé, c'est pas pour rien. Les vaccins ne seront jamais, lisez sur mes lèvres, jamais obligatoires, jamais. Sauf que si tu prends pas le vaccin, tu pourras plus aller au restaurant, tu pourras plus faire tes courses peut-être, tu pourras plus peut-être sortir, voyager, aller à l'école, tout ça. Mais il sera pas obligatoire. On est dans un monde hypocrite. Mais c'est pas pour autant, tu fais pas le vaccin, on viendra pas te chercher chez toi, on te mettra pas à l'hôpital, on viendra pas te chercher de force, on mettra pas une amende. Ça veut dire ça, ça veut dire, mais bon, voilà. Bon, pour l'obligation des restaurants, pour les vaccins, c'est pas encore fait. Pour l'instant, c'est le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui précise que tous anti-Covid, qui va franchir bientôt les 15 millions de téléchargements, pourra être utilisé dans les restaurants et que les restaurants devront l'utiliser, je pense, parce que à partir du calepin, ça ne suffit pas. Il vous faudra continuer de renseigner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse et tout va se faire par l'application Tous Anti-Covid. C'est une traçabilité pour récupérer les points contacts, les cas contacts et ça va continuer tout le reste de votre vie, à part s'il y a un truc qui casse tout ça. Mais pour l'instant, on est dans une crise sanitaire, un état d'urgence sanitaire. On est parti dans ce monde-là avec une nécessité pour vous-même, quand vous souhaitez sortir pour vous faire plaisir, de positionner votre téléphone et de renseigner votre passage et tout ça. Et puis par la suite, comme ça se passe également avec des tests qui sont réalisés dans les... des tests réalisés avec une application pour certains qui l'utilisent, pour voyager, vous allez devoir montrer que vous n'êtes pas positif. Donc ça va concerner également peut-être par la suite, non seulement des tests, mais des vaccins. Voilà. Parce que si on commence avec les tests pour montrer qu'on n'est pas positif, pour prendre l'avion actuellement, testé par certains, ça peut concerner aussi les bars et les restos, et ça peut concerner par la suite vos déplacements, pour le plaisir, pour le business, et ça peut concerner également le vaccin. Voilà. C'est en ligne directe, hein, c'est un dérapage qui est contrôlé, c'est quelque chose qui est voulu. Alors on ne va pas parler
du nouvel ordre mondial.